Bonjour, vous allez bien? C'est Mel et Nat, bienvenue pour notre première émission sur les fous des légendes. Arrête de crier, Mel. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons vérifier une légende. Arrête de crier. Oups, pardon. Bref, on a entendu dire que si, dans le métro du Courtier, on entre dans le photomaton, des choses étranges peuvent se passer. Enfin, c'est ce qu'on espère. T'arrêtes pas l'enregistrement? Non, je couperai au montage, t'inquiète. Alors, ça y est, on est devant le fameux photomaton de l'horreur. Bon, tu rentres en première? Quoi? J'ai peur, Mel. Non, allez, allez. Et maintenant? Vous êtes prêts? On fait comme on nous a dit de faire, donc retourne-toi et prends. Sur la flèche gauche du clavier pour revenir en arrière. Tu dois dessiner quoi déjà sur la vitre avant la photo? Le symbole. Regardez droit devant vous. Okay. Attention. Je pense que c'est bon. Nat, sors en première, s'il te plaît. Non, mais t'es sérieuse? Pff. Allez, s'il te plaît. Mel, y a plus personne. T'as dit quoi, là? Y a plus personne autour. Lol, tu vas vite trouver des gens parce que je vais pas rigoler avec toi. Voilà, Mel, c'est bon, des stress. Le métro a juste dû passer. Nat, en fait, c'est trop bien. Fais-toi soigner, je te jure. Mais réfléchis, on a tout le métro pour nous. Juste nous. C'est nul d'avoir un métro, y a rien. Mel! 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 Quoi? 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 Enlève le truc sur mon épaule tout de suite! Tu délires, y'a rien. Si, y'a un truc, j'ai senti comme une main, t'sais, avec des doigts! Waouh, faut te le dire en quelle langue, y'a rien, t'es pas drôle. Mais je blague pas, je sais pas ce que je sens sur mon épaule là, mais y'a vraiment un truc chelou. Mel, je sais pas ce qui se passe ici, mais ça commence très mal, je le sens pas du tout. On vient d'arriver, tu veux partir? Profite au lieu de faire genre tu sens des choses. Pour commencer, non, c'est pas super cool. S'il nous arrive quelque chose, personne pourra nous venir en aide. Et regarde l'ambiance, est horriblement silencieux et je flippe, moi. T'es relou, on s'en fiche. Et au pire, on meurt. Viens, on va voler des trucs. Il y a toujours la boulangerie, normalement. Au pire, on meurt. Elle est drôle, celle-là. Je sais pas trop quoi en penser, là, de ton idée. Je pense qu'on devrait plutôt chercher quelqu'un. T'as dit, y a personne, faut savoir. Fais un choix, moi, je te suis. Ah ! C'était quoi, ça ? Tu crois que j'en sais plus que toi, Google ? Google, Google. C'est drôle, non ? Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Viens, on se casse. Punaise, il n'y a plus aucune porte de sortie. T'as vu? Pourquoi il y a un gros mur à la place de la porte? J'hallucine pas. Dis-moi que j'hallucine pas, Mel. Effectivement. Normalement, il y a la porte d'entrée et de sortie. Je commence vraiment à flipper, là. C'est pas un bruit de métro, là? Viens, on va essayer de le prendre. M'abandonne pas, Nat. T'inquiète, bichette. Il n'y a pas de raison d'avoir... Vous êtes qui? Wesh. C'est toi, t'es qui? Je sais pas, je me souviens pas de grand chose depuis que je suis ici. Ok, ok, t'as pas une idée de comment on sort de là? J'ai peut-être une idée, vous devez partir, il se passe des choses pas nettes. On va pas te laisser là tout de même. Ça va aller de mon côté, de toute façon, ce que je sais, c'est que je suis pas arrivée hier. Quelle est ton idée? Des gens ont déjà voyagé ici et en sont sortis, mais je n'ai jamais réussi. Même après avoir suivi les mêmes étapes qu'eux, c'est comme si j'étais maudit. Eh bien, donne-nous les étapes et nous t'emmènerons avec nous. Ils sont rentrés dans le wagon, là derrière, et les portes se sont fermées. Pourquoi tu t'arrêtes de parler subitement comme ça? Chut, ils arrivent. Je les entends. Montez vite, avant qu'il ne soit trop tard. Qui, ils? Montez, je vais les distraire. Elle, on y va, allez. Mais bon, ok. Je crois que c'est bon. Il va nous arriver quoi maintenant? Je sais pas, mais je veux plus y retourner. Moi si. Ouf, on est sorti. On est revenu dans le réel là? On vient de rêver ou quoi? On sait rien, t'as enregistré de toute façon, non? Oui, ça tourne toujours. C'était qui ce gars? Non, c'est toujours rien, en tout cas je crois qu'il nous a sauvés. Merci à toi, type chelou inconnu. J'espère que tu t'en sortiras. Bon, on est d'accord, c'est la première et la dernière fois qu'on fait ton émission des gens. Ça nous a pas trop réussi ton idée. Si, c'était trop cool. Pour le deuxième épisode, on ira au Chantraine. Il y a une autre légende autour d'un arbre bizarre. Ah non, sans moi. Mais si.